Et salut à tous les amis, c'est PFR Foot FR. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Ligue des Masters avec Lorient et on affronte aujourd'hui l'AS Saint-Étienne. Donc c'est parti. Et je crois on va faire voilà la compo automatique et on va juste mettre Sanogo et Torres sur le banc. Voilà. Et donc c'est parti contre l'AS Saint-Étienne. C'est parti. Qui nous annonçait de la pluie, certes le ciel est menaçant, mais pas de gouttes pour l'instant. Bref, rien de tout cela n'a réussi à décourager les supporters qui sont entrés. Gabriel. Et la bonne porte. Comme ici. Un cornet. Vermenig. Débouché et le peu rapide, Rouffier qui dégage. Gomis. Oh, il est embêté! La frappe et la balle du gardien. Gray. Il y a la même ville là. Salut. Beric. Cornet. Gabriel, Gomis, la frappe de Gomis et le roi de Rufier. Gomis, Gabriel. Chercher Dembélé, dommage. Gomis, Dembélé. Ah, on ne passera pas. Face à Gyurza, mais la touche est le résultat. Bien fait. Quand même. Qui ne passera pas. Ah, bien fait non plus. Et Gomis, la frappe. Attention, Debuchy, Berry, et bien retrait, Gabriel, Cornet, Bermény. Et la touche pour le match. Centre. Voilà. Complètement loupé. Et 0-0 à la mi-temps. Ils ont terminé très fort et le coup de sifflet est arrivé peut-être un peu trop tôt. Mais c'est repris la cadence. Le ballon pour Dembélé. Ah, Salibur, qui a un peu d'espace. Il tente de la jouer dans l'espace.
Action Gray. Et bien repris par Guirzo. Ah, Debuchy qui va être le plus rapide. Dommage. Et donc, bien joué au cornet. Le bon taf. 0-0 entre les deux équipes, entre Lorient et Saint-Étienne. Voyons les stats, ça m'intéresse. Ils n'ont pas tiré au but. Prochain match face à Guingamp et on a une offre du club de Bruges. Allez, donc c'est parti face au Guingampé. Alors voyons. Bebou, Sanogo, Dembélé. On va tenter Dembélé à gauche, corner à droite. Je vais mettre Monténégro. Je vais faire ça, les plus. Voilà. Et bien c'est parti. On y va, let's go. Face à Guingamp. La frappe et la du corps.
Le Monténégro à l'orange. Pénisé. Et bien défendu par Sonnet. Et le ballon pour Cabot sur le côté droit. Sur le cerveau. Ouh, la pantalonnade de début. Dommage. Samuel pour Bibou, attention, il va se retrouver seul et il transmet à Monténégro qui va marquer. 1-0 pour Lorient. Et deuxième but de Monténégro avec Lorient, enfin cette saison, et avec Lorient. Doherty et bien défendu par Mendes. Dembélé sauve ce ballon. Monténégro pour Cabo. Ah non. Et Sonny, bien joué. Attention, ça va revenir. Tchabala. Benizé. Moranou. Face à Mendes. Tchabala. Piri. Et la roue. Deniama. Et attention, place. Moranou. Et l'égalisation. Un but partout entre les deux équipes. Moranou qui égalise. Et un but partout. Voilà, à la mi-temps. On fait rentrer Torres. Cabo. Ah dommage. Le ballon pour Dembélé. Ah. Sanogo, Sanogo, non, 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 non. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir à sortir dans ces conditions. Voilà une bonne occasion de contre. Bonne passe. Passe interceptée. Ouh, la frappe et l'arrêt. Oh, y'a l'air. Quel arrêt.
match de. Et le but. Heureusement pour eux, ça fonctionne, mais à mon avis, la défense joue un petit peu haut. Ouais. Oh, il y a eu oui, juste à côté du but. Quel dommage. Et match nul entre Guingamp et Lorient. Très belle chose sur cette pelouse à l'arrivée. Match nul. Que retenez-vous de cette rencontre? C'est dommage. Aïe aïe. Un but partout dans cette 16e journée. On redescend à la 3e place. On va pas se plaindre de cette 3e place, bien sûr. Et Torres a augmenté à 73. Villagra a diminué à 72. Et bien les amis, merci à tous. Attendez, Bebou. On va voir. Le moine. Pour Kozic. On verra ça dans le prochain épisode. Et bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. I'll never decide.